n'est pas tout à fait une révolution, mais chaque dimanche, depuis un an, les habitants de cette petite ville du comté de Cork manifestent. Ils protestent contre les taux d'intérêt des banques irlandaises. En 2008, le gouvernement irlandais, effrayé par l'effondrement des banques, a consenti à donner une garantie illimitée couvrant la plupart des obligations des banques irlandaises. Malgré une cure d'austérité, le gouvernement continue à rembourser des sommes importantes qui pourraient finalement atteindre 35 milliards d'euros. J'ai commencé à protester parce que j'étais vraiment très en colère à cause de tout cet argent utilisé pour payer ces obligations non garanties. Et dans le même temps, on voyait toutes ces coupures budgétaires dans les services publics et les personnes les plus fragiles souffraient un peu plus encore des effets de cette dette qui n'est pas la nôtre. Pour l'organisateur de cette marche, rembourser les spéculateurs qui ont pris un risque n'est pas juste. Il en veut à l'Union européenne et en particulier à la Banque centrale européenne, la BCE. J'essaie de délivrer ce message auprès des gens. En fait, nous assumons une dette qui avoisine les 100 milliards d'euros pour nous permettre d'emprunter environ 100 milliards d'euros aux banques européennes pour permettre à nos banques de rembourser l'argent que nous empruntons pour payer. Tout cela est risible et les gens ne sont pas au courant de toute l'histoire, la vraie histoire. Et ce qui s'est passé ici, c'est que nous avons subi un chantage de la BCE. Nous avons été bafoués par l'UE et particulièrement par les Merkozy, vous savez, Sarkozy et Merkel. Et nous avons été trahis par notre propre gouvernement. Un chantage de la BCE. Lorsque le boom économique irlandais s'est transformé en véritable faillite il y a 4 ans, la crise financière a plongé le pays dans une récession dévastatrice. Et en novembre 2010, le gouvernement irlandais a signé un accord pour un prêt de 90 milliards d'euros à l'Union et au FMI. Bien que le FMI ait appelé au partage du fardeau, obligataire ou investisseur devant assumer une partie des pertes, la BCE n'a pas été d'accord et elle a dit que l'Irlande devait honorer son accord pour payer les obligations. C'était une des conditions pour le sauvetage du pays. Aujourd'hui, sans ce sauvetage, le gouvernement prévient, cela aurait pu être bien pire. Si nous n'avions pas eu l'aide du FMI, de l'Union et de la BCE cette année, l'ajustement ne serait pas de 3,5 milliards, mais de 13 milliards. Comparez donc. Alors, à moins que les gens proposent des solutions alternatives pour renflouer les caisses, en ce moment, à travers nos banques, nous empruntons à la BCE au taux de 1%. Si quiconque peut me dire où on peut emprunter à 1%, je suis tout oui. Mais personne n'est venu m'en parler. Alors oui, bien sûr, il y aura bien une banque au Koweït, en Amérique du Sud, en Russie ou en Chine qui sont prêtes à faire un prêt à 1% sur 3 ans. Si on trouve cela, ok, mais on ne l'a pas trouvé. Les gens doivent se rendre compte que nous avons un déficit énorme. Si le FMI et l'Union européenne repartent avec leur argent, l'austérité sera 10 fois pire qu'aujourd'hui. Mais pour un nombre croissant d'Irlandais, l'austérité est déjà pire. On estime que pour la moitié des propriétaires irlandais, il ne reste plus que 100 euros par mois, une fois les charges, la nourriture ou l'essence payées. Et c'est dans ce contexte que les Irlandais devront voter lors du référendum sur le pacte budgétaire européen le 31 mai. Un traité jugé nécessaire pour non seulement sauver l'euro, mais aussi éviter des dépenses inconsidérées et des déficits qui ont mené à la crise de la zone euro. David et Lynn Barton sont des scientifiques qui sont rentrés en Irlande dans les années 90 après avoir travaillé en Angleterre et aux États-Unis. Depuis, ils ont vu leur salaire baisser de 20% et la valeur de leur maison divisée par deux. David n'est pas contre la politique d'austérité car pour lui, les gens ont trop dépensé durant des années. Mais il pense aussi que le gouvernement devra livrer une dure bataille pour faire passer le référendum. Les gens sont vraiment en colère. Il y a un an, lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, nous pensions qu'il aurait pu négocier les conditions de l'accord de sauvetage du pays. Et ces conditions étaient vraiment terribles. Un très fort taux d'intérêt et les remboursements des porteurs d'obligations de l'Anglo-Irish Bank. Les gens en veulent au gouvernement pour cela, mais pour moi, la faute revient à la BCE. Elle a insisté pour que nous payions absolument les dettes de l'Anglo-Irish Bank. C'est quelque chose comme 34 milliards d'euros. Et pour un pays qui a un PIB de 60 milliards, la facture est trop élevée.
colère et méfiance, deux sentiments qui grandissent dans le pays. Des sentiments qui pourraient pousser les Irlandais à voter non au référendum sur le pacte budgétaire européen. Et la raison est simple, la peur que ce traité n'entraîne le pays dans une spirale infernale. Austérité, coupures budgétaires, plus de taxes et décroissance. Pour Dan O'Brien, ces peurs ne sont pas légitimes. L'Irlande est déjà dans une position extrême. C'est l'un des trois pays de la zone euro à être en faillite. Donc, les contraintes de ce pacte n'affecteront pas l'Irlande avant longtemps. Certaines personnes avancent que c'est un pacte d'austérité. Pour moi, ce n'en est pas un. Ce sont les gouvernements et dans beaucoup de pays, des propriétaires et des sociétés qui ont accumulé trop de dettes ces dernières décennies. Nous savons maintenant qu'il n'est pas juste d'avoir un tel niveau de dette et que l'Europe prendra beaucoup de temps, sûrement des décennies, pour ramener la dette à un niveau sécurisé. Les pays devront le faire, s'ils ont ce pacte ou non, s'ils veulent éviter l'énorme risque d'avoir une très grosse dette qui peut soudainement exploser si les choses tournent mal. L'une des raisons pour laquelle l'Irlande a signé un accord avec l'Union et le FMI, c'était pour recapitaliser les banques sur le point de sombrer en raison de la crise immobilière, des banques qui avaient prêté de l'argent à l'État irlandais. Mais pour de nombreux propriétaires, il semble y avoir peu d'aide des banques ou du gouvernement. Caroline Lennon est l'une des 100 000 propriétaires qui n'ont pas fini de rembourser leurs prêts. Elle doit encore 170 000 euros. Son salaire a baissé de 20%. Elle a essayé de renégocier les conditions de son prêt immobilier, mais même si elle vend sa maison, elle aura encore des dettes à payer. C'est cette injustice qui l'a poussée à créer l'Association des propriétaires irlandais. Je dois vous le dire, au départ, c'était très égoïste. C'était pour moi et pour sauver ce que j'avais gagné. Mais très rapidement, je me suis rendu compte des difficultés des autres. And it's saying what is happening here is not acceptable. It's morally wrong. If people are trying to work with you, c'est injuste. Si les gens travaillent, ils méritent le respect. Pardon, mais tout cela me bouleverse. They deserve the respect. Ils méritent le respect des gens qui les représentent et des prêteurs de ce pays. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous sommes déterminés à payer nos dettes. Mais nous demandons juste du fair play. C'est tout. Du fair play, c'est justement ce que Dublin a tenté d'obtenir lorsqu'il a négocié de meilleures conditions de l'Union européenne. Mais cela ne pourra pas être fait avant le référendum. Des paroles vides de sens pour tous ceux qui n'ont plus confiance en leur gouvernement et en l'Europe. Les gens en ont entendu parler. Les choses qui se passent ici en Irlande ces dernières années, toute cette austérité dont nous souffrons, les gens se rendent compte que tout cela ne nous bénéficie pas. Si on pouvait en tirer bénéfice, on accepterait. Nous sommes un peuple qui sait souffrir, vous savez. On a l'habitude et on se serait plié si on pouvait en tirer bénéfice. Mais non. Si les Irlandais votent non au référendum, un second prêt pour le pays sera difficile à obtenir. Mais le malaise est plus profond encore. Tout comme leurs banques et leur gouvernement, les Irlandais ont un déficit de confiance.